Emma Loess, l'actrice ivoirienne vient d'être critiquée très sévèrement sur les réseaux sociaux. Emma Loess se fait critiquer à nouveau, la toile s'enflamme. Emma Loess, après sa grande rencontre avec le premier ministre de la Côte d'Ivoire, Patrick Hashim, se fait insulter par des internautes. Voici les raisons. Pour plus de détails, après le générique. Avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti! Dans sa volonté d'associer toutes les couches sociales à la concertation nationale afin de trouver des voies palliatives aux difficultés sociales en Côte d'Ivoire, le Premier ministre ivoirien, son Excellence Patrick Hashim Jérôme, a convié les jeunes entrepreneurs à une rencontre d'échange dans la matinée de ce jour. Parmi cette entité de jeunes cibles figuraient deux influenceuses ivoiriennes des réseaux sociaux que sont entre autres Emma Loess et Yvi Diro, réputées par leur activisme dans ce métier. Au sorti de cette rencontre, M. Patrick Hashim s'est prêté à une séance de photos pour immortaliser ces échanges qui se sont déroulés très bien dans une ambiance bon enfant. Dans une des photos qui ont fuité sur les réseaux sociaux, on observe celle de la charmante Emma Loess aux côtés du Premier ministre ivoirien Patrick Hashim, dans laquelle elle pose une main sur l'épaule de ce dernier. Une telle image a suscité beaucoup de commentaires et beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux par des internautes sur la toile depuis longtemps. Tandis que certains le voient d'un mauvais œil, considérant que cela est un manque de respect de la jeune dame à l'encontre du Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Patrick Hashim. D'aucuns brandissent plutôt le grand sens de la simplicité d'une haute autorité étatique qui manifeste un cœur paternel au profit d'une jeunesse qui a besoin de repères et encadrement. Pendant que la polémique sur cette image défraye la chronique sur les réseaux sociaux, Emma Loess fait déjà une publication via sa page officielle Facebook dans laquelle elle affirme ceci. Merci Monsieur le Premier ministre pour votre écoute, vos conseils et votre simplicité sans pareil. Le conseil de Fally Ipupa annoncé à Bamako, Sidiki Diabaté, profite de l'occasion et apporte son soutien total à Dicap Lameve après la sortie de son nouveau single. Après Douala, plus précisément au Cameroun, Dar Est Salam en Tanzanie, le prince de la rumba congolaise Fally Ipupa fera le cap sur Bamako, plus précisément au Mali, pour des concerts prévus les 19 et 20 novembre. Pour l'occasion, l'artiste malien Sidiki Diabaté a apporté son soutien total à son homologue congolais en invitant ses fans à se rendre massivement à ses deux concerts en terre malienne. Le musicien congolais Fally Ipupa est très attendu du côté de Bamako pour des concerts prévus les 19 et 20 novembre prochains. À quelques jours de ces événements, le jeune artiste malien Sidiki Diabaté, alias le prince de la Kora, a posté sur les réseaux sociaux un message à ses fans. Mes très chers fans de Bamako, rendez-vous à ne surtout pas manquer. Mobilisation générale pour soutenir mon frère et ami Fally Ipupa. Les 19 et 20 novembre, j'y serai, a écrit Sidiki Diabaté. Les fans ont largement commenté la publication de l'artiste malien et attendent avec impatience les différentes dates des concerts à Bamako. Le Mali n'a pas besoin de ça maintenant, des concerts de 50 000 francs CFA ou 10 000 francs CFA, alors qu'on est en train de crier sur les boulangeries pour éviter l'augmentation du prix du pain. On est très fiers pour vous deux, a indiqué Adama Diallo. Debordo Likunfa, alias le maître et maître, a vraiment très honte en voyant cette publication sur les réseaux sociaux, a estimé Olivier M. Bella. Merci pour cette annonce. A noter que Sidiki Diabaté, alias le prince de la Kora, et Fally Ipupa, alias Dicap Lameve, gardent de très bonnes relations. Les deux artistes ont eu à collaborer
sur la chanson « Ne me quitte pas » de Faïli Poupa. Le Malien avait aussi fait une apparition en 2017 sur le clip de la chanson « Mannequin ». On verra certainement Sidiki Diabaté sur scène lors des concerts, au grand plaisir de tous les fans.